banger. Ooh, I gotta call my friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute. Yo les gars, c'est Globox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve sur le PlayStation Store, je sais que vous appréciez cette vidéo. À chaque fois, vous êtes nombreux à me remercier dans les commentaires, ça me fait plaisir. Bref, promotion et off les gars, cette fois-ci c'est du lourd. On commence tout de suite avec Ratchet & Clank, remasterisé, le 1 bien sûr de PlayStation 2, à seulement 25€ au lieu de 35€, vraiment une offre très intéressante. En plus c'est un jeu qui est très bien, malgré qu'il soit court, je vous le conseille. Là on va tout de suite voir les offres les plus intéressantes, des offres de dingue les gars. On commence tout de suite avec Need for Speed à seulement 23€ au lieu de 70€, un jeu que je conseille à tout le monde, même si vrai, si c'est vrai que les Need for Speed étaient largement mieux avant qu'aujourd'hui, mais ça reste des jeux super fun à jouer, super cool tout simplement. On a tous envie de conduire comme des psychopathes en ville. On ne peut pas malheureusement, tout simplement parce que nous, si on se crache, on meurt, pas comme dans les jeux. Donc je vous conseille de jouer à Need for Speed, un jeu vraiment réaliste. Bref, je vous le conseille. Après on a quoi? UFC qui coûte 40€, c'est pas un jeu qui m'intéresse, mais je sais que pas mal de personnes aiment bien la baston. Donc n'hésitez pas à aller le voir aussi les gars. 40€, je crois que c'est un jeu intéressant quand même. FIFA 16, un jeu que j'ai déjà acheté, donc je ne sais pas à combien il est aujourd'hui. Je l'avais acheté 25€ il y a plus ou moins 2 semaines. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous ne l'avez pas acheté, dites-moi à combien il est. L'offre la plus intéressante, les amis, c'est tout simplement Battlefield 4 à seulement 5€, les gars. D'ailleurs, il est disponible aussi sur Xbox, les gars. Franchement, achetez-le. Moi, je vous le dis, les gars, je vous conseille pas, je vous donne un ordre. Achetez-le les gars, 5€, mais c'est absolument rien du tout. On sait que Battlefield, premier du nom, va sortir bientôt. Un jeu qui m'a l'air d'être vraiment énorme. Je l'achèterai directement à sa sortie, je m'en bats les couilles. Un jeu concernant la Première Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Je me suis pas trop informé. Mais bon, voilà les gars, achetez-le. Franchement, Battlefield 4, un jeu qui envoie du lourd. Je l'achèterai après la vidéo, ne vous en faites pas. Battlefield Hardline, assez sympa, mais il remplacera jamais Battlefield 3, Battlefield 4, tout simplement. À 5€ aussi, voilà. Achetez les deux si vous avez l'occasion, si vous avez un peu trop d'argent. Ici, on a Star Wars Battlefront. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la bêta. Je ne suis pas un fan de la série. Pour vous dire, j'ai vu 0 épisode. J'ai rien vu du tout concernant Star Wars. Du coup, je ne vais pas l'acheter, mais s'il y a des personnes qui adorent cette série, ben, je vous invite à l'acheter, tout simplement, parce que 30€, ce n'est pas cher. Bref, si vous avez des éditions, voilà, je vous parle pas des éditions, etc. Ici, on a encore un autre jeu qui est assez fun, c'est Plantes contre Zombies, c'est le 2. Un jeu qui m'a l'air d'être sympa à jouer à plusieurs dans le multi avec des potes. Franchement, ça a l'air d'être sympa. Mais bon, étant donné que mes potes, eux, c'est que des fans de Call of Duty, je vais pas l'acheter, même s'il m'intéresse beaucoup. Donc ici vous avez des petits packs, des petites éditions, etc. Donc c'est à vous de voir. Encore un Need for Speed. Cette fois-ci c'est le Need for Speed Rival à seulement 8€. 8€, c'est donné les cas. À la base les jeux ils sortent à 60-70€. Là c'est vraiment donné. Alors ici je connais pas trop le jeu. Je vais essayer de m'informer après sur YouTube. Dragon Age, un jeu qui a l'air d'être sympa à jouer. Après, s'il est à 12€, c'est vrai qu'il a beaucoup baissé, je sais pas. Je verrai bien sur internet les cotes, etc. Ici, on a pas mal de jeux de sport, du hockey, du football américain. Enfin bref, je m'y connais pas trop, donc je vais pas donner mon avis. Donc ici, un jeu qui mérite d'être bof, à 4€. Je verrai bien aussi sur internet. Ici, on a pas mal de packs, voilà, du contenu, pack d'amélioration, des DLC. Voilà, ça, c'est à vous de voir si vous avez la PS. Donc ici pas mal de packs, etc, des lots. Enfin bref, vous avez des yeux les gars. Bref les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine tout le monde, c'était Globox. Bye bye tout le monde.